5 conseils pour les allergiques aux livres. Lis tes films préférés. Tu as adoré la saga Harry Potter au ciné ? Plonge-toi dans la série de bouquins qui a inspiré les films. Tu y apprendras des tas de détails en plus qui n'apparaissent pas à l'écran. Et ça marche avec tous les livres adaptés au ciné. Jeanne-Marie, notre abonnée, nous dit « C'est bien de comparer son imagination à celle de l'auteur du film. » Écoute des livres. Près de 2 Français sur 10 achètent des livres audio. Les plus grands classiques existent sous cette forme-là. Tu peux les acheter ou juste les emprunter à la médiathèque. Tiens, et si tu fouinais à la médiathèque ? Ouvert à tous, c'est le lieu idéal pour éveiller son amour des livres. Les médiathèques abritent des centaines de bouquins à emprunter gratuitement. Tu peux fouiller dans les rayons sans rien t'interdire. Ou juste poser pour lire une BD, écouter de la musique au casque et parfois même jouer aux jeux vidéo. Lis dans des jeux vidéo, justement. Il existe une foule de jeux construits comme des histoires, avec des passages à lire. Dans Soldats inconnus, mémoire de la Grande Guerre, on trouve une 50aine de fiches pour éclairer le joueur sur des faits historiques, servant l'intrigue du jeu. Choisis des livres bourrés d'images. Manga et bande dessinée s'appuient sur le dessin pour raconter des histoires de façon très rythmée. Les bulles n'en sont pas moins garnies de texte, donc oui, t'es en train de lire un livre, là.